Oia, ko tonu ia oe tahi vai e ia mei tēnei awano tātou, no tātou e manihi ino tēnei pōpō i o i te mai nei. Tō tātou hoa o Ludo tēnei e tēnei tau te ani mara o tātou e nhone i te mutua nukuhi wane. O te tēnei nei, no te tei tumu te kautaia e hame waha mai nā tātou i tēnei pōpō i. Nā ia hoa ia hakai te mai ia tātou e te tumu te kau hapepe ia mei ia. Nā tātou Ludo, ka hoa nui, bia venisu le te plato de te okonui se mata. Alors, la santé, comment on va? Ça va bien, merci. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet des abeilles, comme on avait préparé déjà cette émission la semaine, il y a quelques temps avec Edouard. Voilà. C'est sur la continuité. Hein. C'est ça, on avait commencé par une première émission sur la découverte, l'arrivée des abeilles par ici. Qu'est-ce que c'est que les abeilles? Ensuite, une autre émission sur leur habitat, où est-ce qu'ils habitaient, dans les trous des arbres ou dans des ruches. Et la fois dernière, on a commencé à rentrer dans le cœur de la colonie en parlant des ouvrières. C'était quoi le parcours des ouvrières et qu'est-ce qu'elles vivaient, qu'est-ce qu'elles faisaient comme tâches? Oui, tu as tapé pas au tourné, tu te montes quand il y a PP et toi, mais tu n'es pas au tantôt lui. Donc, nous, quand on est en maninitica, et tu te montes quand il y a PP et maninitica, tu as tout à l'heure, il n'y a pas au tantôt, quand il y a PP et maninitica, et tu as tout à l'heure, et ma hopé maini. Wei te tātou pautu, te manini te kau e kaipika, e nā ia i oto te tautumu a kau i e ai e hapepe ni toi e kouhata pautu, me tai e tau manini, e mahope mai i oto hoa ia tēnei tai a tātou e oho nei, te tau tiha a te tau e nanai hakai nei tēnei, te me me mau te manini te kau e. Aujourd'hui, un autre sujet, toujours sur les abeilles, mais un autre sujet. Hein? Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on continue l'exploration de la colonie, où on avait vu le gros des abeilles. Il y a beaucoup de monde dans une ruche hein, ou dans une colonie. Il y a peut-être 4-50 000 abeilles en moyenne. Hein. C'est beaucoup. Hein. Et la plupart des animaux qu'on voit, ce sont les ouvrières. Oui. Donc là, on va parler des autres animaux qui composent la colonie, les mâles, qu'on appelle les faux-bourdons, et la reine. Oia, oui, te tato i oto ti tei kohata o te tau manini ti kaue. Nui te tau manini e oho nei te hana i oto no te hamite e tuno te kane ia i tene me mob e ne hoi te manini i ti kaue. Oi te tato pautu tenu ia e ima on ho utautini e tau manini e hana nei i oto mea e nā me te hoi tato te hata pei u e to teitu e nā me te nei tau manini pe ia ne hei o te tau toa. Te ahoe te haoe, le mal, e nai me te tau toa i oto. Alors, le faux-bourdon, c'est bien ça, hein? C'est ça, le faux-bourdon, ouais. Tenei tau me, e ne faux-bourdon, tenei hoaia tau toa i oto o tenei puho vai a manini, e to taitu i eite mei tato tenei tau e toa, a e ato e kakau, a e ato e tito te nana o te tau koiwi, a to te mea haeoko. Alors, pour les mâles, les faux-bourdons, en quoi consiste cet animal-là? Quel est son rôle au sein de la ruche? Oui, oui. Alors, le faux-bourdon, alors c'est un nom parce qu'il ressemble au vrai bourdon, qui est une autre espèce, qui ressemble un peu dans la même famille que les abeilles ou les guêpes, qui ressemble un petit peu à un gros nounours. Voilà. C'est une grosse abeille très poilue, qu'on n'a pas ici. Hein, qu'on a pas ici hein. Voilà. Et comme ça ressemble un petit peu, on l'appelle le faux-bourdon. Mais c'est le mâle des abeilles, en fait. Voilà. Hein. Donc, il n'y en a pas tout le temps. Il faut d'abord savoir que dans la ruche, il n'y en a pas tout le temps. Il y en a aux périodes où la colonie se développe, pendant les floraisons, et où les abeilles ont besoin de mâles pour féconder de jeunes reines. Voilà. C'est quand ils ont besoin de femelles, le mâle ou la femelle, quand ils ont besoin voilà. Du mâle. Hein? Oui. Oui. Tene me a tikau e te hao e faux-bourdon e oine e tikau e toa tene e ma e manu toa tene e a he mea yo tatou tene hakatu e mea manu pe o yene hei faux-bourdon a he mea yo tatou e porini tia ne tata e ka a to ia hakatu e na yo tatou mea va ati yo ato mea kaka uo tene manu. Tai hana, a ea i hana me te tai ana heo hana, i tie te avau, ko hoa tēnei tau koiwi i te toa, nā tēnei a manu e hanotu e to'o i tēnei tau koiwi, no te amite e tuto ato pō e ia oia hoi e piki ato, hana hana umai haka ua, neke haka uto ato pō e ia i mua. Te hana ia a tēnei manini tika ue, te faux-bourdon o te toa, tai e tumu hana toitoi, oia, te toa e ka aheme tai ia. Et cet animal-là, est-ce qu'il pique aussi non. Les gens? Voilà. Non, il n'a pas de dard. Oui, à Hemeto Yata, à Eye et Tito Ukautenana, à Hemeta Yahana. Donc, il y a Tayahana Nayo,
te kane ia kaua te tau kakaiu, no te mono tui tēnei tau kakaiu e mama te o te teipito, oi ana heo tai hana o te piki, ia no te hahou ia, i te tau hei hana hana ia o tēnei tau manu. Alors, avec ça, il vit aussi dans la ruche avec les abeilles. Voilà, il vit dans la ruche, mais lui, il peut se déplacer beaucoup plus et il peut rentrer partout. Je m'explique. Les abeilles, elles rentrent, elles sortent pour amener le nectar et le pollen, et elles rentrent dans leur ruche à elles, Pas dans les autres. pas dans les autres. Elles ont l'odeur de leur colonie que leur a donnée la reine Voilà. par les odeurs qu'elles dégagent. Donc les ouvrières ne rentrent que dans leur ruche. Si elles vont rentrer dans une autre ruche, elles se font mettre dehors. D'accord. Les mâles, ils ont le droit d'aller partout. Ils sont acceptés, ils sont bienvenus partout. Qu'est-ce qu'on aimerait être comme ça aussi, N'est-ce pas? Et tu vas hein? voir, c'est pas fini, hein. Ouais. Il y a plein d'avantages d'être un mâle, mais aussi des inconvénients. Tu vas voir que leur fin de vie est un petit peu bizarre. Ah, d'accord. Oui, tenez, Manu, il y a des faux bourdons, tenez toi, et quand tu m'as dit, tenez toi, mais il y a pas tout le temps, et non, tout le temps, non, il y a autre manière de t'y caouer. Te manini ti kau e koe vi koe nui ia ia e koana i heetu i oto ti tei vai no ia ke atu mi teipito tau manu ke e tatai ia ia kumia ia ia teipito tau manu. No ke ika, te manu toa a oe e koa ka ia ia hee mai vai pautu no te mea tai hana o ia a. Te piki atu mi te ia mi te ia mi te ia o ia na heo tai hana no ke ika peo aho ia tenei manu toa mi te ia ia e hee pautu. Alors, d'autres avantages de cet animal? Alors, l'avantage, c'est que dans la ruche, il ne fait pas grand-chose. Voilà, il Il va. attend que tout le monde a envie de sauter, ben il saute tout le monde, hein. Presque. Alors, ça ne se passe pas dans la ruche, hein. D'abord, il va ne sauter que les reines, Oui, hein, à que les rênes. et ça se passe dans la forêt, dans des endroits Ailleurs de la particuliers, ruche. et en l'air, en vol. Ok. Les mâles se regroupent à l'extérieur, dans les endroits qu'on appelle des congrégations de mâles. Et de là, les jeunes reines qui naissent dans les colonies sont guidées par les vieilles abeilles pour les emmener à ces endroits. Et les reines se font grimper en l'air par 5, 10, 15 jusqu'à 20 mâles qui vont la féconder. Et puis les mâles, en se séparant de la reine, s'arrachent le sexe et tombent morts. Ah, Ils c'est comme ont ça qu'ils donné leur vont semence Voilà. et puis ils tombent, c'est fini, leur vie est finie. Ça y est, leur rôle a été accompli. Ah, j'aimerais pas être comme ça, Ah, c'est moins drôle déjà, hein? moi. Ah, ça fait moins Si envie, c'est une là, fois seulement après tu crèves, ben laisse tomber. Hein. hein? Oui, et comme il est le doigt, il est. Tenez ta toi, tenez ta toi, manini tikaoué, et hanonai ho ato e piki i te ate pei, te ate pei o ta ato e piki mea. Ia tō ato i tēne ha te peiu, a oe i oto te vahi noho ia o te manini, eh? Mā waho, me mehe ia tātou wahana i vene hano ne, ai tātou e hano tū tātā tēnei tau hei ne piki o te hae o motua me te kui, e hano e kawe waho ae, wa sope ia e wawe kumia i. Me kita, ati te a, e tō a, e he te koe vi mā waho, i oti tei tumu akau tike tike, i e a, Wa te hemei tēnei nui ia toa, anho i e tei toa nahi o e nui ia toa una hoa me te atu, no te piki i tēnei koiwi. Ka awa atu na koiwi e manini ti kau e, me mea te kau toa, te kau hoa ia i ukai o. Te mea hau hau a, i e pau te manini ia o tēnei tau toa, me mea o pihi ti tuto ato hakatu tea tea i ukai o tēnei koiwi, Wa pau to ato te kau, topa ato he tohua mate nui wa pau, e tahine heo piki ia i te ako iwi, he mea kau mai mahope mai tohope. E ui ahua mea, e ui atakatu o te amanu koito ia mate, e tahi piki ia, ia pau te ate 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 he e pau tu i oto o te nino o te ne manini te kau e wa mate, wa pau to ia te kau. Oi a te mea, ana ia peo, te mea, e tahine heo pouga ia o te ne tau manu. E tai piki ia, e tai mate ia, wopau a e hua kau mai, mono ia mai mahope mai. Voilà. Alors, ces abeilles qui meurent après le faubourg, donc quand ils meurent, donc ça veut dire que quand ils ont fécondé avec la reine, c'est lui le prochain, quoi. Ben c'est trop tard, ça y est, il a donné son sperme, Voilà. donc grâce à lui, les gènes de sa maman Voilà. vont continuer, Ils et vont puis son avoir des rôle est mâles aussi, fini, voilà. et donc la reine, on va voir après la reine comment elle va faire pour pondre soit des mâles, soit des femelles, Voilà. mais le principal rôle du faubourdon, c'est C'est ça, ça. c'est de féconder une jeune reine. Voilà. Sinon, il a un autre rôle dans la ruche, c'est qu'il va chauffer le couvain. Ah. Parce que les larves sont chauffées à 35 degrés.
jour et nuit. Naturellement. Voilà. Que ce soit les abeilles ou les mâles, ils vont faire vibrer leurs muscles des ailes pour dégager la chaleur. Et comme ça, ça va chauffer les jeunes larves pour qu'elles poussent à 35 degrés. Ça, c'est un rôle aussi important des faux-bourdons. Oui, a dit qu'il y a un tata au côté et au téné manu, tétoa, te ha mahamahama ya i téné koha, tatine koha tabahino yot manini, to ma to ma ima degré, te mahanana ya vain au hit ya mahanana yoto téné vaino yot téné tau manua, oui a dit qu'il y a tumhana a téné manu. No keka. Ye he atu ye mawaho e mauna uti a mahanahana e maho pe me huaka o mai ia e te e te me wa topa te numera ha a mahanahana haka aua ia kini takahoa me hewa hana vahine e witi tatopo utu te ame ye nuna e tatum tatatou tau hana vahine he ha ye momoe ana mahanahana ana utufe utuflam tatu ite awa ia ye pone ate hana ale kamariri mahe vahi pautu o ia tataeka ati ahoa. Tout le monde est en train de se faire. Maintenant, on revient à la reine. Alors, hein? Ok, ok. Alors, la reine, son rôle, une fois que le mâle a sauté, hein, voilà. Combien de temps elle met pour pondre encore Ok. Alors, déjà, il faut savoir que la reine, elle ne sort qu'une fois dans sa vie pour se faire féconder. Tout le reste du temps, elle reste à l'intérieur. Dans la ruche. Hein? Ouais, ouais. Les abeilles, elles vivent un mois et demi. Les ouvrières, un mois et demi, c'est peu, hein, un mois et demi. Hein. Les mâles, ils peuvent vivre 2 à 6 mois. Soit ils finissent parce qu'ils ont fécondé une reine, ils ont grimpé en l'air, paf, ils meurent. Hein. Soit, ben, c'est l'époque où il y a moins de fleurs, il y a moins à bouffer, et ben, les bouches inutiles dehors. Donc là, les mâles qui pouvaient rentrer dans toutes les colonies, ben là, ils se font mettre dehors de partout et ils meurent de faim. Parce que déjà, les mâles, ils savent pas se nourrir tout seuls. Hein. Ils ouvrent la bouche. Et les ouvrières vont les nourrir. C'est comme nous, les hommes. C'est des pachas, hein, voilà. Sauf que ben, quand il n'y a plus assez à manger, on sait que c'est les ouvrières qui travaillent, et ben les mâles dehors, ils vont mourir de faim. Ah oui. Voilà. Oui, il y a des métatos, on t'a mis même au témani nitikaou, et on a eu un hakato, et on a eu un. Mais à nous, te pua et te yano ato te nitamanu tato et butine ma eo farani, yano ato et kaita ato pukukai mavaho, te ava mea nuit kaikai, a eho hotei, et nam te toi ototomai no ia, mea kanahauko. Te ava a oe e ava te kaikai, ye pao. E hua mai ato yoto vahi noho ia, no te mea tene manu, ae kwa kai ai ai poe na ia tō tai, e koho a ia te mea e nā me te tau koiwi i o tō ia hua mea mehe mea he mea te tau koiwi a e poe tene, tene manu e mate nā te koiwi e tō tei e tō mehe mea he ia piki e tei piki ia wa mate ma hupi mea wupauto ia te kā mehe mea a e awa te kaikai e tō te puke koiwi i tēnei toa manu tātai waho o ia hua mea e mate i te oke mate puia i a. Wa mate i te awa no te mea ai kwakai a ia hanu umhitai kai no te kai, nā te tau koiwi e hakai ne. O ia hua mea, wa mate o pauto i a te kau i te awa. O kautini o kosi toujours le même sujet de Isabe. Alors, une fois que, c'est à combien, e peone lido te awa o te pohu e ia o te ne tau koiwi, e taina he o me ama. Taina he o me ama, o pāte te kao tēnei tau kovi, mono mono hi haka ue ame, mea puto ko te ama no tēnei tau kovi. Te tau toa e ono me ama, mea, mehe mea tēnei tau toa, wapiki atu ato, a o e te atei mea nama ye pau, o mate. Mehe mea i piki e ko anato ato noho ia oa, e ono me ama. Comme je disais, pour les mâles, si c'est 6 mois la longueur de longévité, maximum, hein, ouais. Et sinon c'est 1 mois s'ils ont fait un accord avec la reine, hein, c'est voilà, comme ça. Voilà, hein. C'est ça, ouais. Et la reine, par contre, elle peut vivre jusqu'à 3, 5, 6 ans. Et elle, son secret, c'est sa potion magique qui fait qu'elle vit si longtemps, c'est la gelée royale. C'est-à-dire ? C'est grâce à la gelée royale, une espèce de lait merveilleux que provoquent les jeunes ce que abeilles. Nous on pense, c'est ce que nous et que pense. Nous, on peut consommer. Ça coûte très cher, parce que c'est compliqué à faire. Mais la gelée royale a des facultés. C'est un lait extraordinaire qui parle que tous les jeunes larves de la ruche vont manger un tout petit peu de gelée royale. Mais des larves femelles qui vont être gavées de gelée royale vont être transformées en reines.
Et en mangeant de la gelée royale toute sa vie, cette abeille particulière, qui va devenir la maman, va pouvoir vivre 6 ans. 3, 5 jusqu'à 6 ans. J'ai déjà vu une reine de 8 ans. Oui. Quand j'ai mis le doigt à tato, tu t'en couvres, tu t'en couvres, manini, tu t'en couvres, 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 no ti tai kai mo mo na e vai nei i oto te nei e vai no ia vai ha kai au te nei tamani ni tika ue o ia i tate hau te au ni jele royal ta ka me kofi tia hoi te amet kanea ia mea te a aena tina nai kanea na ta animara ta iei kanea o ia hua mea tō tei tuto ia kai i te nei mo mo na o te nei e mo mau ta atu i kanea nei mea mina mina o tino ato e te oa ia o te nei ha ate pei u e ono ako ea e vau e hua. No te toe ka a o ia e ua tō ato no ia te au maama. No ke ika me hano o tō tā o tō mani ato me a te hata peu te ina e vau e hua te kakau ia i tui o tō a tei o tō a o koe te mea e o ini te hata peu. C'est quand même une longévité assez surprenante quand même pour une reine. C'est beau, hein? C'est ça, hein? Ah ouais, c'est très la bien. Nature, elle fait pas mal de choses qu'on le découvre rarement. C'est merveilleux, hein, c'est merveilleux. Merveilleux, hein. Voilà. Ça monte passionnant quand on rentre dedans. Hein. Voilà, très bien. Moi, je découvre déjà tout ça maintenant, grâce à toi, Ludo. Merci. Ah, peut-être ceux qui nous écoutent le découvrent aussi par le biais de cette interview de ce matin. Super, merci. Et bienvenue à la maison pour aller voir avec nos propres yeux. Hein. Voilà. Me kuho a oto e kuana ia oto hanu ti ohi me nam ta oto tau ti hamani ni hanu tu ti ohi pe hea te hana honoi no mea tato hanu pu tato taki pi omi te au mea mumona o tenei animara po kahu hatu i oto a o e ia i te tato pe hea tenei animara e hanami hana tae tae o ko te hana te itua i te au ma ama a o e na te enana na te itua na te au ma ama mea na tura tenei hana no ke ika te hana maha o e na a teine o au ni a teine o a oko tēnei tau hakatuhana i te ia nei, mea tai tai, mea kanahau, e vai ia, e vai ka uatu. Ludovic, semaine prochaine, même à la fin de cette semaine, dimanche, tu prépares une tournée au sud, c'est bien cela? C'est ça, je pars pour une quinzaine de jours sur Atuona, Omoa, et également une journée sur Puamau. Voilà, donc c'est un peu le sud, vous allez kiffer les deux îles. Voilà, ouais. Il se peut que si tu as des demandes, je fasse un tour sur Tahuata. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Mais sinon, bah, je vais là où la demande est là. Oui. Et tu es à ta pouille moine, à ta pouille, tu es 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 à ta pouille, séjour à Fatouiwa, Tahoua et puis Hiwaoa. C'est pour aller voir des animaux. Voilà, ça va être essentiellement... C'est sur une demande de la population ou... Oui, c'est ça, je réponds aux demandes. Quand je vois qu'il y a assez de demandes pour organiser un voyage, hop, voilà. Alors, c'est parti. C'est quoi le genre de déplacement que tu fais là-bas pour castrer un cheval ou... C'est surtout pour des opérations, des stérilisations. Ah, okay. Donc c'est chien, chienne, chat, chatte, et puis chevaux également, oui. Effectivement. Et puis sinon c'est pour soigner, vacciner, poser des puces pour identifier. Mais le gros, c'est vrai que c'est la demande, c'est surtout pour stériliser, pour éviter d'avoir trop de petits. Surtout les chiens et les chats. Surtout les chiens et les chats. Oya, oya ya taie tu muhana e nukua tu mate a keke no te anu hoa ia e veo tu i tenei tau peto, tenei tau e potu, te mea wite tatu i tenei a ati o tato ni nui te tau peto, nui te tau potu e hana hana une, he mea e te ia ne ma oto tai hoi pōpororo tai ka ai haka ia, oi meo titi tai rāwea, e te mea a hanu tua kai te aluido, no te veo tu tatatu tau peto e ko iwi a ko e a potu, te mea e tu e hana ue hanu i e pe atu a hanu ko te ame mau kio e ko ana i hemo e pi e veo e veo mit kio e te ina e nui kaut kio e mau tu te hae. Ludo, pour stériliser un chien ou un chat ou une chatte, combien est le prix pour stériliser? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui me disent qu'ils ont entendu qu'il y a une campagne de vaccination pour les chiens et les chats. Alors, en fait, comment dire? C'est vrai que les soins médicaux, ça coûte cher. Oui.
On s'en rend pas compte chez les hommes parce qu'il y a les CPS, oui, hein, oui. Mais chez les animaux, forcément, sans CPS, on a le coût direct. Et c'est vrai que c'est cher. Oui. Par exemple, pour castrer un chat, ça coûte 7000 francs. Oui. Ça, c'est le moins cher. Un chien, c'est entre 12 et 17000 francs selon son poids. Oui. Pour enlever les ovaires d'une chatte, ça coûte 16000 francs. Et pour une chienne, ça coûte entre 20 et 28 000 francs. Oui. Ça, c'est mes tarifs. Ouais. J'ai essayé de baisser mes tarifs pour que ça soit accessible, parce qu'ici, on n'est pas à Tahiti, il y a moins d'argent. Je suis déjà moins cher que la plupart des confrères sur Tahiti. Mais malgré tout, ça reste cher. Alors, c'est pour ça qu'on cherche des solutions pour faire baisser le coût de ces opérations. Et on s'inspire de ce qui s'est passé ailleurs, comme par exemple à Bora Bora ou à Punaouya, ou des associations pour aider à mieux soigner les animaux se sont créés et ont demandé des subventions aux communes pour qu'elles participent à baisser le coût. Et ce qui fait que, par exemple, à Bora, opérer une chienne, ça coûtait autour de 35-37 000 francs, ça descend à 12 000. Donc nous, on a envie de faire quelque chose comme ça. Moi, je vais baisser mes tarifs pour les membres de l'association. Il y a une association qui vient de se créer sur Nukuiva. Et là, je vais voir sur Rivaoa si les gens sont... Les gens sont très demandeurs parce que c'est d'utilité publique, qui est moins d'animaux errants, qui mordent les animaux, qui mordent les gens, qui font du bruit, qui volent, qui ceci, qui cela. Et pour ça, on essaie des solutions pour que le pouvoir public participe aussi, que moi, je baisse encore mes tarifs pour les membres de l'association. Et comme ça, la plupart des gens seront contents. Donc, si je comprends bien, au niveau de la commune, il y a eu des pourparlers avec toi pour essayer de baisser les prix. Voilà, j'étais allé voir monsieur le maire, oui, qui est partant pour faire une campagne de stérilisation. Oui. Et pour ça, entre-temps, on a mis en place Nukuiva Animala. C'est la nouvelle association. Hein. Voilà, donc le président, c'est Kara, oui, sur Meaou. L'homme des neiges. Voilà, le bienheureux. Et donc là, il y a une douzaine de personnes qui sont là pour créer l'association. Et puis, après, les gens qui vont adhérer à l'association, ça coûtera 3500 francs à l'année. Et ça permettra d'avoir des tarifs bien plus avantageux pour enlever les coucougnettes ou les ovaires de nos animaux domestiques. Oui, donc avec la mairie, avec la commune... Est-ce que ça y est, c'est mis en place quand on peut commencer déjà? Non, pour l'instant, on est dans les pourparlers. Oui. Hein. Sally, le maire, m'a dit qu'il était intéressé. Il m'a donné à peu près l'enveloppe qui sera débloquée quand ça va être mis donc en place. Donc ça sera pour l'année prochaine? Ça sera sûrement pour l'année prochaine, oui, parce que je crois qu'avec les élections, c'est pas possible de subventionner les associations pour l'instant, pour que ça reste neutre. Il faut mettre en place une convention, d'accord, il y a encore des formalités à mettre en place. D'accord. Mais dans le courant de l'année prochaine, ça va se faire, et là je vais pouvoir travailler pour qu'il y ait moins de chiots et de chatons pas désirés. Oh yeah, donc quand tu es au Tiwa, quand tu es dans le Rido, tout petit, tu es quand il y a mais tout à tout haka et qui est au Benoît, et non, tu es happé, il y a mai umhi e te tau la e te mea e no tatatu tau peto me te tau potu i haiti mai ho i tato e pehea tene hoa ia ma otu te ve o mea pe au mai ai a tine te mea e keke no te haave no te ve o i tatatu to aniwara mea hoko nui no ke ika wa te kau ia me te hakaiki e te makau te hakaiki e makau patoko hoa ia te mea i haiti mai ho i tatatu moni e utotu no te haiti mai te ame mau e peto i oto tatou hae oi te tatou pautu te ame mau peto i nui uko na e a heana mi te iko kai hea e hutarara na ame a pautu oi nei ti teira bea te ua e ua pepe na mai ato i ta ato piika animara Nukuiva animara Nukuiva animara e na tu tatou hoa te ni maha i ke mne tu te afim awata oi hao iu kaha mai a e a ahine i tenei piika i tenei o mea o Nukuiva animara me oe maki oe e tomo i oto tenei piika e tou tau tini 3500 si bia sa e tou tau tini e imahanere te moni i kai e ape ia mei maukau oe no te ehua tenei moni me mea e pita ato tiha na tenei moni e pātoko tu ia oe me mea nanta oe peto e tehe te atome to paka o mei te moni a o oa ma oto te toko ia a tenei piika ki tei tau ma kau tenei no luido mi oto mai o tenei e piika ta ato i hatu atu nei tenei amanei e peo aia a e ato i nui oko mea
Titahi koho ane ye iwa o haatu mai tohi wa o ataia, teina e aka aka mai tātou pautu, not keke o te utu ia o tēnei tau haamaua ia a tātou. Donc, Ludo, 7% tu seras pas là pendant 15 jours. C'est ça. Tu seras au sud alors? Voilà. Et tu seras de retour? Le retour de le au milieu du 7, mois de le 7 décembre. Ouais. 7 décembre. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc tu reviens, après tu vas au festival. Hein? Oui. Voilà. Parce qu'il y en a aussi à stériliser là-bas, ceux qui font le festival. Voilà. C'est bien, Ludo. Content de t'avoir reçu sur le plateau de thé au Connu. Avant de clore notre émission ce matin, je te laisse la dernière parole. Kauta Unui, Lucien, ça fait, c'est un régal de passer ce moment avec toi. Vaie Inui, Paria, parce qu'on va employer aussi le langage du Sud. Voilà. Merci pour l'accueil, c'est toujours un plaisir de venir ici. De même pour et vous. Et c'est un grand bonheur de partager ces petites tranches ensemble. Oya, Kauta Unui, Aludovic, Teke, Yemayo Tato, Nante, Toua, Maite, Nita, Kaho, Natato. Mato yo te puha me baha ia te kawa te okoni maa te ahi a tō tātou tuhi ne o tahia. Ha te tume matu ka awa ia Ludo. E ia me te tue kou te ie ki ke ohi wa oa. E te pō e hitu no tēnei a mau meinui. Wahu haka umai e he maua e haka i o te atohai hōhoi. No te matawa. Kou tau nui e apai. Apai.